Salve! Questa moto si infila veloce nel traffico, però inquina ancora parecchio ed è un pericolo guidarla in città. In Europa ci sono 33 milioni di moto, ma ancora troppi morti. In un anno 6.000 persone sono morte per degli incidenti sulle moto. Come rendere le nostre moto più verdi e più sicure? E soprattutto chi pagherà per i costi aggiuntivi? Il solito consumatore o gli stati con delle politiche attive per rendere le nostre moto meno inquinanti? Ceci n'est pas un rassemblement de motards comme tant d'autres. Les costumes de fonction sont restés au placard. Une centaine de politiciens et de diplomates se sont donné rendez-vous devant le Parlement européen à Bruxelles. The whole week I'm saying yes madam, no sir, thank you madam. We will arrange that, we are going to look up that and so on. I'm very polite the whole week. But on Saturday I have my hobby. I can do my own things. I feel my own freedom. I feel even my own rain sometimes. En deux roues par passion ou par nécessité. Avec l'augmentation du trafic urbain, de plus en plus d'Européens choisissent la moto pour se déplacer. Direction le circuit de Zolder à 80 km de Bruxelles pour essayer quelques modèles de motos électriques. La technologie dernier cri pour réduire la pollution des deux roues. Ce député motard est rapporteur d'une réforme en discussion. Deze motoren hebben te veel emissie. Daarom zijn we in het Europees Parlement ook bezig met een nieuwe verordening om de motoren meer onder de euronormen van de auto te brengen. 33 millions de véhicules deux roues circulent dans l'Union. Le secteur a connu une forte croissance, mais les mesures anti-pollution n'ont pas tout à fait suivi. Selon une étude de l'ADEME, l'Agence française de l'environnement, les motos, surtout les petites cylindrées, produisent jusqu'à 10 fois plus de monoxyde de carbone et de gaz imbrûlés qu'une voiture, des gaz nocifs pour les poumons. Une vérification s'impose. Nous passons chez le garagiste avec notre 125 flambant neuf. Dans les nouveaux moteurs à 4 temps, les émissions de CO2 ont été fortement réduites. En termes de particules rejetées, c'est un petit peu difficile. Oui, ça, un gaz imbrûlé, oui, on est tout à fait correct. Généralement, avec une voiture, on tourne aux alentours de 200. Ça pollue moins qu'une voiture. Alors que de nombreux progrès ont été réalisés pour réduire la pollution des grosses motos, il reste encore de nombreux progrès à faire pour les petits scooters qui envahissent les villes. En termes de pollution, en CO2, on est déjà au double. Oui, les gaz imbrûlés, on voit tout de suite, pouf! Il veut déjà même plus me le calculer parce qu'on est déjà largement au-dessus. Donc là, mon appareil dit stop, je suis overdose. Donc voilà, quoi, c'est important. C'est possible. La Commission européenne a donc proposé des règles plus sévères. Le but est d'arriver progressivement à des moteurs plus propres, à l'instar des voitures, car le secteur moto a presque 7 ans de retard sous celui des 4 roues. Plus verte, mais aussi plus sûre, car les deux roues sont vulnérables, 6000 tués en 2009. Une victime sur 3 a moins de 25 ans. De nombreux députés souhaitent rendre obligatoire le freinage ABS, un système anti-blocage des roues. Cette mesure devrait être destinée aux petites et grandes motos. Elle pourrait réduire de 20% les accidents de la route. Mais entre le nouveau système d'échappement et de freinage, combien paiera le consommateur? Selon les constructeurs, les prix pourraient augmenter de 5% pour les grandes motos et de 30% pour les petites. Beh, alla fine la differenza tra un veicolo con e senza l'ABS sarà di circa 500 euro. Quindi su un veicolo che costa circa 3.000 euro l'impatto è in ordine percentuale abbastanza alto. Retour au circuit belge de Zolder. Ici, les députés sont en train d'essayer des motos électriques. Pour l'instant, ce n'est qu'un marché de niche, mais il pourrait être le futur des deux roues, une technologie soutenue même par les champions de motocross comme le belge Joël Smets. Als die ontwikkeling meebrengt dat het onze sport kan redden, want die elektrische motoren, ja, ze zijn gewoon muisstil. Op die manier denk ik wel dat het een toekomst kan zijn voor onze sport. Bien, nous nous retrouvons ici dans les studios du Parlement européen à Bruxelles pour décortiquer les différents problèmes qui tournent autour des motos. Et aujourd'hui, j'ai ici avec moi Aline Delay, secrétaire générale de la Fédération des motocyclistes européens. Bonjour. Bernd Lange, du groupe des socialistes et démocrates. Bonjour. Et bonjour. Antonio Perlotte, de l'association des constructeurs de motos, l'ASEM. Bonjour. Antonio, je commencerai en fait par vous parce que dans les reportages, Margherita Sforza parle beaucoup de la pollution. Les motos polluent, mais il s'agit de quel type de pollution et pourquoi elle est nocive? D'accord.
Alors, il y a effectivement, le discours est un peu complexe, je vais essayer de rester simple. Il y a effectivement deux types de polluants, les polluants locaux, qui effectivement sont en retard par rapport à l'automobile, et comme vous disiez, 7 ans de retard. Et là, la Commission se penche aussi sur le deux-roues. Locaux, ça veut dire quoi? Des particules, les poussières qu'on respire, exactement, qui sont exactement, toxiques. Exactement. Est-ce qu'ils ont des influences sur l'effet de serre? Non, alors justement, ça c'est autre chose. Le réchauffement climatique, c'est le CO2. Et ça, là, il y a une légère erreur dans le reportage où il est dit que les motos produisent plus de CO2 que l'automobile. Et là, c'est réellement nettement le contraire. Les motos sont nettement moins, produisent nettement moins de CO2 que l'automobile, au contraire. D'accord. Donc, voilà. Le retard concerne les particules. Exactement. Alors, Monsieur Lang, il y a des propositions sous la table qui sont discutées en ce moment pour essayer de réglementer et de rattraper ces retards. Est-ce que, numéro un, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut avoir des motos plus vertes possibles et les plus vite possibles? Yeah. In der Tat, glaube ich, müssen wir die Motorräder genauso sauber bekommen wie die Automobile. Und das bedarf auch einer gewissen Übergangszeit, aber am Ende dieser Zeit müssen wir das gleiche Niveau haben. Es gibt überhaupt gar keine Begründung dafür. Und wir sind bei den Motorrädern etwas später angefangen und deswegen verschiebt sich das auch etwas nach vorne. Aber neben der Frage der Grenzwerte ist für mich genauso wichtig, dass die Abgasanlagen halten. Wir haben bei vielen Motorrädern das Problem, dass sie bei der Zulassung gute Werte erreichen, aber dann im Alltag sehr viel dreckiger werden. Deswegen ist der wichtige Punkt bei der Gesetzgebung für mich, dass 50.000 Kilometer Dauerhaltbarkeit für diese Abgassauberungsanlagen eingehalten werden. Mais donc, comme M. Lang l'a mentionné, on y arrive tout de suite. Cela veut dire que, par exemple, le FEMA serait d'accord pour imposer un contrôle technique sur les motos qui n'est pas obligatoire pour le moment. Ça veut dire pour contrôler qu'après, dans la vie de tous les jours, les motos soient bien entretenues. Non. La FEMA n'est pas pour une harmonisation du contrôle technique. Absolument. On voudrait en fait que... on veut aussi des motos qui soient plus vertes. On veut avoir des motos qui soient aussi propres que les voitures. C'est un effet, mais bon, c'est une responsabilité partagée. On veut des motos qui, comme l'a dit M. Lang, on ait une garantie que notre véhicule reste propre pendant un certain nombre de kilomètres et de temps. Un contrôle technique, ça veut dire que le poids de cette vérification est sur l'usager et pas sur l'industrie. Mais pour les voitures, c'est comme ça. Pour les voitures, mais les voitures ont une garantie. D'accord. Les constructeurs sont d'accord? Alors, on est d'accord sur la durabilité. On pense que c'est effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas un critère pour l'homologation des véhicules, contrairement à l'automobile, donc il faut l'introduire aussi pour les deux roues. Sur la distance, je pense qu'il y a peut-être des visions légèrement différentes, mais c'est un détail. Je pense, par contre, on parle de responsabilité partagée. Clairement, la durabilité est une responsabilité des constructeurs, mais elle présuppose aussi un entretien du véhicule qui soit fait de manière régulière par l'usager. Donc je pense qu'il y a une partie aussi liée au contrôle technique, ce n'est pas dans le cadre de ce règlement, mais évidemment il y a une responsabilité partagée dans ce cas aussi. Monsieur Lang, parce que ça c'est quand même important, même si c'est un détail de toute la grande réforme qui est en cours, vous pensez que le Parlement européen poussera plutôt pour imposer un contrôle technique donc obligatoire, comme c'est déjà le cas en Allemagne d'ailleurs, mais pas dans tous les pays européens? Das ist eine andere Gesetzgebung, die müssen wir nochmal getrennt diskutieren. In dieser Gesetzgebung ist das Entscheidende, weil mehr elektronische Bauteile eingebaut werden, dass alle die Möglichkeiten haben, die Daten zugänglich zu bekommen, sodass auch kleine Werkstätten oder vielleicht auch der Bastler zu Hause vernünftig das Motorrad warten kann. Und das ist auch ein wichtiger Punkt der Gesetzgebung, den Zugang zu den elektronischen Daten und Wartungsmöglichkeiten. Antonio Perlot, les temps, les délais, pour vous, l'industrie et les constructeurs sont fondamentaux. Vous vous dites, en principe, nous sommes d'accord, mais donnez-nous plus de temps. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, comme l'a dit déjà M. Lang, l'objectif de rejoindre le même niveau d'émissions de l'automobile est entièrement partagé. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le fait. L'importance, effectivement, c'est de tenir compte de la différence de taille de l'industrie. L'industrie moto est 100 fois plus petite que celle automobile. Et donc, ça explique en partie le fait qu'il faut plus de temps pour arriver à ces résultats et afin de pouvoir déployer les mesures de recherche et développement qui vont être nécessaires pour adapter ces véhicules et améliorer leur performance environnementale et de sécurité, on en parlera plus tard, en tenant compte aussi des contraintes économiques, c'est-à-dire que le véhicule doit rester possible à l'achat pour l'usager.
Notamment, ceci est un problème pour les petits véhicules où l'impact en termes de pourcentage, comme vous le disiez le reportage, va être nettement plus important. Parce que peut-être on peut ouvrir... Oui, je vous en prie. Aber da hat sich natürlich die Erfahrung bei den PKWs gezeigt, dass wenn wir sehr ehrgeizige Standards setzen, wir auch einen Wettbewerbsvorteil für die europäische Industrie bekommen, im Gegensatz zu Anbietern aus anderen Teilen dieser Erde. Maintenant, passons à l'autre volet très important de cette discussion, celui de la sécurité. Encore trop d'accidents mortels en moto sont enregistrés tous les ans. Il y a un double problème de sécurité de la moto et de sécurité de la route. Alors, comment réduire les risques? Alors, Aline Delay, cet règlement qui est en discussion en ce moment, provoque déjà beaucoup de polémiques. On parle d'instaurer un système de freinage ABS obligatoire dans tous les motos, à partir des motos de 125 cm3. Les FEMA, donc les motards, les motocyclistes, sont d'accord pour un système obligatoire pour tous les motos ? On n'est pas d'accord sur le principe de l'obligation. On est d'accord que le système peut être très utile et très intéressant. Je veux dire, de facto, le motard de plus en plus va acheter des motos avec ABS. On n'est pas d'accord sur le principe de l'obligation parce qu'on parle quand même de mesures techniques et on sait très bien que dans l'accidentologie, ce n'est pas l'aspect du véhicule, ce n'est pas l'aspect technique qui est le plus important, c'est l'aspect humain. Donc évidemment, un ABS va aider, mais le rendre obligatoire, pour nous, c'est contraire à la liberté de choix du consommateur. De vous à moi, je veux dire, vous allez choisir un ABS ou vous allez choisir un airbag qui va coûter probablement le même prix et que vous pouvez avoir sur vous en cas d'accident dans n'importe quel type de configuration. ABS obligatoire, oui ou non? Oui. Oui, et pour toutes les motos aussi les petites für die mit 50 Kubik sicherlich nicht, die ganz ganz kleinen, da muss man noch mal sehr nachgucken. Aber alles was da drüber ist, würde ich sagen, obligatorisch. Das verbessert die Sicherheit, den Bremsweg deutlich. Ich fahre seit 9 Jahren ein Motorrad mit ABS. Und ich kann Ihnen sagen, dass dadurch das Fahrverhalten deutlich sicherer geworden ist. Und insofern, glaube ich, sollten wir das durchführen. Aber ich sage auch, das ist die eine Seite der Medaille. Das ist die zweite Seite ist, man muss auch sicherstellen, dass Automobile Motorräder besser erkennen. Also die Frage einer elektronischen Kommunikation zwischen den Fahrzeugen muss auch eingeführt werden, sodass beide Partner auf der Straße sicherer werden. Antonio Perlot, l'ABS. Alors, l'ABS, oui, mais pas sur tous les véhicules. En fait, on a un effectivement... grand débat avec le Parlement européen. Nous avons, je pense, des positions qui ne sont pas complètement différentes, mais elles ne sont pas les mêmes. Et effectivement, nous avons, sur les petites motos, jusqu'à 125, nous estimons que le système de freinage combiné est souvent oublié. Il a des avantages qui sont différents de celui de l'ABS, mais ils sont très utiles, surtout pour des débutants, parce qu'il aide à gérer, en fait, les deux freins avec une seule commande, et nous pensons que ça, notamment pour qui commence, est un plus. Et le coût sera réduit par rapport à l'ABS. Et la moitié de l'ABS. Je voulais juste faire un dernier tour, parce que sécurité des motos, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement la sécurité des motos, mais c'est aussi la sécurité des routes. Alors, pour vous trois, tous les trois des motards, qu'est-ce que ça veut dire améliorer l'aménagement des rues, Monsieur Lang? Ja, in der Tat, die Wahrnehmung von Autofahrern muss gestärkt werden. Deswegen bin ich sehr dafür, dass Autofahrer ein Signal bekommen, da Vorsicht, da kommt ein Motorradfahrer. Wir haben gerade im Frühling immer die Situation, dass Autofahrer auch Motorräder übersehen. Und zweitens geht es auch um bessere Straßenbelege. Da sind allerdings die Mitgliedstaaten und die Regionen verantwortlich. Aber ich glaube, es gibt Standards, die eigentlich Sicherheit erhöhen. Und zum Dritten geht es auch um die Leitplanken an den Straßen, dass die so gebaut werden, dass sie nicht zusätzliche Verletzungen bei einem Unfall erzeugen. Pour nous, très clairement, améliorer la visibilité des motards, c'est améliorer le fait que les autres conducteurs de la route nous voient. Et donc, c'est améliorer la sensibilisation des autres conducteurs de la route également. Et ça passe par la formation des automobilistes et l'amélioration des infrastructures, effectivement. Et pas la pose de gilets fluorescents, parce que je pense que là... Ça ne sert à rien. Mais vous voulez aussi rapidement rebondir sur ce que M. Lang venait de dire. Par rapport à la visibilité, c'est vrai qu'augmenter la visibilité des motards, souvent on pense, il faut leur mettre un gilet fluorescent, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la prise de conscience du motocycliste par rapport aux autres usagers de la route. Antonio Perlot, quelle idée comme motard? Je pense qu'il y a, dans la réglementation, il y a on propose de garder les phares toujours allumés sur la moto. Ça va, je pense, aider, bien entendu. Mais l'aménagement routier, la prise en compte des automobilistes
par rapport à la présence des deux roues motorisées, est fondamentale pour un véhicule où, à la fin, l'usager va être toujours vulnérable du fait qu'il n'est pas protégé par une carrosserie. Donc c'est fondamental d'avoir ce type d'approche. Très bien, je vous remercie beaucoup d'être venu. On se revoit alors en octobre pour discuter du règlement qui sera approuvé. Merci beaucoup. Ed è tutto per questa settimana. Arrivederci.